Après le travail, j'ai décidé de passer du temps avec une de mes collègues. Nous nous étions promis de passer un petit temps ensemble après le boulot. Ils se sont aimés, se sont accordés, ils se sont donnés. Devant leur famille, ont décidé de s'unir à jamais. Attachés l'un à l'autre pour la vie, restés soudés et déterminés. La situation par laquelle je passais était vraiment difficile à vivre. Mon époux était un véritable soutien pour moi, oui. Mais je souffrais tellement du fait de ne pas pouvoir faire de lui un père, en fait. Merci beaucoup. Ce soir-là, ma collègue souhaitait aussi qu'on en parle autour d'un repas. Au-delà du fait qu'elle soit une collègue, elle est aussi une sœur en Christ de longue date. Nous étions de la même promotion. Une fois au restaurant, je me mis à lui présenter la situation. Elle m'encouragea vraiment et lui fit une proposition, celle de lui retrouver demain avec mon époux à sa clinique afin de faire un examen de fécondité. Me fait une proposition, celle de lui retrouver demain avec mon époux à sa clinique afin de faire un examen de fécondité aussi à mon époux. C'était comme un boom dans mon cœur car je ne savais vraiment comment il prendrait la chose. J'avais jamais pensé, le problème pourrait aussi provenir de lui. Il était important qu'on le sache. J'espère qu'il ne prendra pas cela en mal.
Sinon, laisse-moi quand même que ça fait. Quand tu rentres à la maison, là, un peu, on calme le cœur. C'est tranquille, c'est tranquille. Okay. J'ai chambre. Je vous attends demain. Dans mon cabinet. Oui. Et viens aussi avec ton époux. Élevé au-dessus de tout, élevé au-dessus de tout.